Yo tout le monde, c'est Shinzuka et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du Let's Play de Kingdom Hearts 2. Tout simplement, donc je tiens un petit rythme en ce moment. En plus, j'ai plein de projets, etc. pour la chaîne, pour avoir des vidéos régulières, etc. Même si les vues, etc. ne suivent pas, je m'en fous. En ce moment, je fais juste ce que j'ai envie. Et là, en ce moment, ce que j'ai envie, c'est faire plein de vidéos, etc. Enfin bon, on va continuer quand même le Let's Play parce que là, on parle, mais NTM, on s'en bat les couilles. Et on devait aller, je crois, aux fondations de la ville, aider Léon, je sais plus trop quoi. Du coup, on va juste niquer les 5 heures pour nous faire un peu d'XP, même si 330 XP, c'est chaud. Et on a plus de jauge de flux, d'abord. D'accord. Les fortifications, je crois que c'est par là, hein, si je me souviens bien. Et je crois qu'il y a un... Non, mais des escaliers de là-bas. Putain, il y avait des escaliers... Ah, de toute façon, il y a un petit coffre là. Un petit loot. Il y avait des escaliers à droite, mais je préfère passer par là. Enfin, si je peux passer par là, parce que, genre, la dernière fois j'y suis allé avec la fusion. Bah, je pense que c'est large, large, large. Large, je pense que comme ça on peut pas y arriver, mais si on monte sur le tuyau, on peut y arriver large. Ouais, voilà. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Mais bon. Ça va nous faire aussi un peu plus d'XP. Tac, tac, et tac. Même si on a une. On est... Franchement, la Keyblade, elle est tellement naze. Sérieusement. Oh là là là. Bon, je peux quand même parler un petit peu des projets, genre, etc. Ce qui va arriver sur la chaîne. Enfin, là, il y a un projet qui va arriver. C'est une vidéo simplement tous les lundis qui change. Enfin, qui change. Une vidéo Mario Kart, je pense, un petit peu tous les lundis. Ou je ferai un autre jeu si je suis chaud. Hein, mais pour l'instant, une vidéo Mario Kart tous les lundis. Histoire que ça change un peu du Let's Play, qui est autre chose, quelque chose d'un peu plus pas coloré, parce que Kingdom Hearts c'est vachement coloré. Mais quelque chose d'un peu plus. Un peu plus enfantin, j'arrive plus à parler. Et qui peut, genre, voilà, qui nous amuse, etc., qui relâche la pression du let's play et tout. C'est pas une pression le let's play, mais voilà, c'est quand même des épisodes à faire, etc., et du coup c'est long. Très long. Enfin, ça me prend vachement de temps, j'ai pas l'habitude d'avoir un rythme aussi soutenu, en fait, au niveau des vidéos. Du coup, une petite vidéo Mario Kart, comme ça, où je me détends tranquillement. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Et je sais pas si je sortirai, par contre, des let's play le week-end. Enfin, des vidéos let's play le week-end. Je verrai bien, je pense que si. Mais en tout cas, les vidéos, enfin la vidéo Mario, ce sera tous les lundis. There's still a lot to do, but I'm sure we can handle everything. Except for that. C'est des 100 coeurs, je crois, autour en bas là. And that. Ils ont une dégaine, mon pote. We'll handle them. Well, that's good to hear. So, Sora, do you know what's going on then? There's this guy, Pete, who's been going around. Je suis un petit peu comme toi en fait là, Soul, je suis un petit peu perdu. But he's not smart enough to tie his own shoes. The ones we need to worry about are the nobodies. Hambo's organization 13 guys in charge too. J'ai baissé le son par contre de la télé. Parce que si vous entendez le son, enfin je le fais à chaque épisode, hein, mais bon, elle est à 1 la télé, j'entends à peine, ça me permet à moi de suivre un peu quand même. Parce que j'ai la flemme de brancher le casque, enfin la flemme de brancher les écouteurs sur le PC pendant que je joue. Voilà, bon, là on va faire les petits simili. Ça peut être sympa. Ça va être sympa surtout. Ah oui, putain, ça c'est une phase relou si je me souviens bien. Ah oui, il va falloir protéger la porte, je crois. C'est pas une phase relou, elle est facile en soi, mais. C'est un peu chiant. Ah, j'aurais dû claquer un reflux pour avoir la jauge de fusion en fait. Heureusement qu'on a le système de défense, ça c'est pas mal. Putain, on les tue même pas, hein. Putain, en 3 combos, faut les buter quoi. Merci Skull. Heureusement qu'on a le système de défense aussi. Glacier, voilà. Oh les samouraïs. Ah, on peut. Ah ouais c'est vrai, on a même pas Donald et Dingo, je me suis dit on va pouvoir faire la fusion et tout, mais pas du tout en fait, on a même pas Donald ni Dingo, putain. C'est un peu chiant ça. Le samouraï s'est fait soulever là-bas. Bon, alors on va essayer de protéger la porte quand même parce que c'est un petit peu le but. Je vais me faire soulever, c'est pas grave. Voilà. Par contre, le samouraï arrête de me taper, s'il te plaît.
Voilà. Putain, on est en train de se faire... Putain, on est en train de se faire soulever, mon pote, c'est dingue. Ah, mais le problème, c'est que... Je vais mourir. Ah, le problème, c'est que c'est ça, ils attaquent tous en même temps, du coup, c'est un peu relou. C'est pour ça que cette phase elle est un peu chiante. Même si là ça va encore, on s'est bien. C'est bien remis. T'es relou toi. Voilà. J'ai gagné l'élément du feu, mais si j'avais pas vu. The Keyblade. A truly marvelous weapon. Were it only in more capable hands. Show yourselves. Carrément, le mec il a ramené l'organisation 13 quoi, limite. Organisation 13. What a shame. And here I thought we could be friends. Stop! What's the big idea? Oopsie daisy. Move! Now, do you think that's polite? Shutting me down like that? I said get out of the way! As if. You can talk all you want, but that won't change a thing. But we're gonna make you move! See, that would work, if I were just any old dude. Except I'm not. I'm with the organization. Nothing any old about me. Huh, tough talk for someone who stood on the sidelines while his nobody flunkies did the fighting. Oh dear. I think you got the wrong impression. You gonna cry? As if. Why don't I remind you how tough the crowd you're dealing with really is? Remind me? That's right! He used to give me that same exact look. I guess you think you can psych me out by saying really random stuff. Gee. I just don't know. Be a good boy now. On avait pas remarqué Donald, sérieusement. Weird. Who gave him the same look? You know, I think he was just trying to confuse you. Yeah, you're right. Only one me. Comme tout le monde, saura. The Hollow Bastion Restoration Committee honorary member. Huh? Wow. Huh? Déjà? What's this? Gorge, you think? Sérieux, là? Je pensais pas qu'on verrouillerait le monde si tôt, en fait. Bah écoute, le monde est verrouillé, hein. Oh, now I get it. That must have been the gate Yen Sid talked about. Ah non. Sorry to run, Leon. But other worlds are calling. D'accord, d'accord. En fait, il a juste ouvert un verrou, d'accord. Okay. Organization 13. They look tough. Be careful out there. See you soon. On a gagné le rapport d'Ansem Sama.
et c'est tout. Do my eyes deceive me? Does he really have the power to wield the Keyblade? He's nothing but a boy. Give him a chance. It means he's straight as an arrow. He's pure of heart. Unlike all of us here. He had better be, or else he's worthless. I truly hope he's enjoying himself on his adventure. Maybe he'd like a hand to determine his fate. Hey, as long as it works in our favor, we can let him do what he wants for now. Then we'll all jump in if needed. Those are bold words coming from you. Are you saying you'll volunteer to take care of it if things go wrong? Huh? What? Me? No, you have the wrong guy. I'm not comfortable with that. You act as though you have a conscience. When was the last time any one of us felt anything? Truer words were never spoken. Well, I suppose the fun will have to wait. Do you know what happens to those who lose their true purpose? Inevitably, they destroy themselves. Gentlemen. The hero of the Keyblade has embarked on a new adventure. Make sure it is one he will remember. Now go. Mmh. Du coup, on va dire qu'on a fini la forteresse oubliée. Finir entre parenthèses. Hein. Donc voilà. J'aurais dû demander. Ah ouais, non, mais non. Qu'est-il arrivé à la sauver? Elle a disparu. Le vaisseau Gumi, ouais, les mondes qui relient. Je sais pas dans quel monde on va en premier. Soit le monde de la Belle et la Bête, soit celui de Mulan. J'hésite vraiment. Le monde de la Bête et la Bête est bien, je crois, si je me souviens bien. Enfin, il est pas si bien que ça, mais. Vous savez quoi? On fait les fous, on va dans le monde de la Belle et la Bête. On est des thugs, on est des thugs, on est des thugs. Alors, au début, on a qu'un seul vaisseau. Le modèle spéciaux, on en a pas. On va prendre le vaisseau normal. Bon, par contre, les voyages en vaisseau Gumi sont bien mieux. Bien mieux que dans le 1. Voilà, j'arrive plus à respirer. Dans le 1, c'était vraiment une bousasse, une immondice. Là, ça va. Parce qu'ils sont bien plus guidés que les autres, en fait. Et du coup, c'est bien, ça. Ouais, là, on a juste à faire ça. Et ça passe. En fait, là, dans ces passages-là, il faut juste faire le chemin pour aller à un autre monde, en fait. Et etc. Des ennemis, vous voyez, qui vont apparaître, etc. Et on va les attaquer tous en même temps. Ah, il se fait mal, par contre, ça. Je ferai gaffe, hein, mais... On va essayer de tous les baiser pour avoir un maximum de trucs. Parce qu'après on peut créer nos vaisseaux. Enfin, c'est une partie assez anecdotique du jeu. Parce que genre elle a pas plu à beaucoup de monde. Mais elle est là et franchement elle est grave sympa quand on se prête au jeu en fait. Si tu t'y prêtes pas, elle sert un peu à rien. Je veux le niquer. Voilà. Parce que les gros ennemis comme ça ils donnent parfois, vous avez vu, des cubes et tout, etc. Ça peut être sympa. Yes, je l'ai eu. Ah oh, putain, j'aurais voulu avoir le rouge. On fait pas encore assez de dégâts en fait avec le vaisseau, du coup c'est un peu chiant. Je pense qu'on commencera un peu le monde de la Belle et la Bête. Vraiment, genre un peu. Enfin, pas non plus de ouf. Parce que je compte faire minimum 30 minutes par épisode à chaque fois. Pas dépasser non plus de ouf. J'ai eu encore un brasier. Vous voyez ça, c'est un gros ennemi ça. Enfin, gros ennemi. Je dis ça, je le défonce, mais. En plus, il a lâché pas mal. Hein. Allez, vous dégagez. Et en plus, si on arrive à faire tout sans se faire toucher des fois, ben on peut atteindre le rang S, etc. Et niquer des mères. Niquer des grosses daronnes. Là, je suis rang 7, je crois. Rang 7, c'est écrit juste en dessous, là, si vous voyez. Voilà, on nique des mères. Voilà, je suis rang 8. C'est le rond qui tourne en haut à gauche.
Et à droite, il y a un... Enfin, toujours à gauche, mais un petit peu à droite, il y a 8. Et si on se fait toucher, le truc va baisser en fait. Là, on est en 9, etc. Mais il y a 31 rangs, je crois. Et faut niquer les ennemis rapidement pour atteindre le rang 30. Par exemple. Vous avez vu, je me suis fait toucher, je suis passé à 9 direct. Enfin, à 8 direct, mon pote. Voilà, là, on fait pas mal de dégâts. On est passé direct niveau 9. Et par contre, niveau rang 30. Oh, par contre, ça, lui, il est relou. Déjà, lui, va me faire baisser ma barre de ouf, ça c'est sûr et certain. Ou pas. Mais attendez, si je fais mon show là. Allez, on nique. Je vais me faire toucher. Ah, ça faut peut-être arriver à le baiser. Par contre, c'est impossible hein, quand il bouge comme ça. Oh, voilà, ça me merci. Donne-moi des points. Oh, y'a trop d'ennemis là. C'est quoi ça? Vous avez vu, je suis en 14. Je suis quand même allé jusqu'au rang 14 juste en niquant le boss. Alors, mission 1 est de débloquer. Pardon, j'ai eu un moment d'absence dans la tête. Voilà, on a débloqué le modèle 2 de le Lightwind. Nouvelle médaille rang 15. Et on pourra débloquer certaines choses, etc. Enfin, on verra au fur et à mesure du let's play. Du coup, on peut directement entrer là-dedans. Le monde de la Belle et la Bête. On va un peu le commencer, histoire de... Hey, what is this place? And sort of gloomy, don't you think? I wonder who lives here. Hey, does anybody else recognize? Ah, elle me rappelle un peu la bête quand même, hein. Petit peu, en même temps, on est dans ce monde, c'est pas pour rien. Hey, that's the beast. Maybe we should check up on him. Look. Beast Castle. Le trio de choc, la base. Allez, on va se les faire tout de suite, mon pote. On va claquer directement la vaillance, mon pote. Nous, on n'a pas le temps. Le problème là, c'est que il y a 15 100 coeurs. Oh yes, on est rang 2 en vaillance. Ça, c'est bon, ça. Ouais, je crois qu'en fait, pour par exemple, les. En fait, pour augmenter les formes de Sora de fusion, ce qu'il faut, c'est tuer un certain nombre d'ennemis. Un certain nombre de types d'ennemis. Par exemple, je pense à la vaillance, elle est 100 coeurs, je pense. Et ça donne 1 XP par 1 XP. La bête est venue nous aider. Enfin, elle est venue nous aider. Pas très courtois hein. This many heartless around, something must be up. Why do we have to do that?
Voilà, en plus là en même temps on est encore en fusion. On va l'annuler pour garder histoire 0 bar. Ok, j'aurais jamais dû l'annuler du coup. J'aurais dû la garder comme ça, histoire 2. On va sauvegarder, on va pas arrêter l'épisode là encore. Ça fait que 20 minutes hein, d'enregistrement. Ouais, je crois qu'on est niveau 10, je crois, si je me souviens bien. Pour les niveaux 10. Du coup. Compétences, par exemple, Sora, est-ce qu'il a quelque chose? Le booster XP, on s'en branle. Vaillance auto. Définit automatiquement vaillance comme commande de réaction en cas de danger si la fusion est possible. Non, on va pas le mettre ça pour l'instant. La configuration de... Attends, il n'y avait pas un truc... Ouais, vaillance... On n'avait pas gagné un truc avec vaillance à un moment? Je sais plus du tout. Bon, de toute façon, on n'a rien à acheter pour l'instant. Il y a des trucs que je ferai sûrement en off, hein. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Bah ça doit être belle, hein, sûrement. Bah oui, bien joué Dingo. Tu as le même esprit de déduction que moi, dis-moi. Du coup, est-ce qu'il n'y a plus rien à récupérer ici? Là, il y a un truc, mais pour l'instant, c'est impossible à le récupérer là-haut. Là, il n'y a rien de bien intéressant. Là-bas, est-ce que c'est une porte qui s'ouvre? 12 XP, c'est toujours plaisir. Allez, ça se dégage. Voilà. Bien joué, Donald. Des fois, tu peux être utile, hein, écoute. Voilà. Ensuite, là, est-ce que c'est un truc qui s'ouvre encore? Non. Et là, non plus. On va se casser. Du coup, on va aller voir Belle. Je crois qu'ils ont dit en haut à droite, on est d'accord. Hein. Tac, on va monter en haut. Ouais, ça devait être là sûrement. Ouais. Dans l'ouest, il s'est passé quelque chose. On sait pas encore ce qui s'est passé avec la bête. Un peu relou. Ce n'est donc pas la raison de votre visite. Bah non en fait. En fait, j'hésitais à faire un truc genre je sais pas ce que vous en pensez, mais genre un épisode par monde. Et en gros, putain, ta gueule le téléphone par contre. Peut-être qu'il soit long l'épisode, peut-être 1h, 1h30, mais du moins on fait un épisode, enfin un monde par épisode en fait. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, ça risque d'être long et pour moi chiant surtout. Mais bon, si ça plaît, hein, je peux le faire. Écoute. 30 minutes, c'est vrai que c'est un peu court quand même. Formule de soin, je sais même pas ce que c'est. On va réciter une carte sûrement. Voilà, la carte du château. Il n'y a pas un coffre là à l'intérieur il y a deux secondes là? Ah non, c'était comme ça et du coup, ouais, voilà. On va sauvegarder encore une fois. Et on va aller dans l'ouest du château. Là, j'en étais sûr, bande de sale pute, va. On récupère le coffre, on a une tente. Tu peux monter là-dedans? Tu
peux démonter ma tente, Félix, s'il te plaît? C'est fait. Alors, la petite référence. Hein. Allez, tiens, toi, casse-toi. Je crois que ça donne beaucoup d'XP, si je me souviens bien. Voilà, putain, 46 quand même. C'est pas dégueulasse. Hein. C'est quoi, c'était un coffre là-bas? Non, j'ai rêvé. J'ai la berlue. Un coffre là aussi, on va le prendre. Et un éclat de mithril, encore une fois. De toute façon, tout ce qui est ingrédients, etc., ça servira à la fin du jeu. Pour l'instant, on avance dans le jeu sans trop se préoccuper des formules, etc. Petite formule de soins qu'on a eu tout à l'heure, hein, d'ailleurs, qui était sympa. Il y a l'armoire là-bas. Deux secondes, je range juste ça là. Allez, on est parti. Il y a un coffre, j'en étais sûr. Hein. Genre, je le sentais, je sais pas pourquoi. Éclat de force, sympa. Putain, il y a plein de coffres ici. Tac, pierre de vitalité, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Ça doit servir pour encore les trucs. Le voilà! Ouhou. Je suis à moitié concentré sur le truc parce que je suis en train en même temps de faire un truc. Du coup, c'est un peu chiant pour vous, j'imagine. Voilà, ouais, on a fini. On va se concentrer juste à 100% sur la vidéo quand même. Parce que bon, c'est un petit peu le but. Pousser la garde. Oh, attendez, je fasse quoi déjà? Ah ouais, c'est quand je crois qu'elle se réveille, j'arrête. Par... Ouh, j'ai rien fait, c'est pas moi. Ça va, Dingo? Je pense que Dingo va bien, je pense. Oh, Dingo, ça va? Attends, on va voir si ça va. Dingo! Dingo! Ah non, mais ah, il a un nez, mon pote! Laisse tomber, quoi. Bon. Toi, tu saoules, toi. Voilà, on a gagné. Dire que je commençais à somnoler confortablement, je peux vous aider, mais bien sûr. Tout à fait, mais à l'époque on était loin de se enfin il était loin de se conduire comme un prince. Oui, je me doute, oui. Je crois que quand la légende d'histoire, je crois qu'il a transformé enfin il s'est fait transformer quand il a ouais voilà, il y a une femme est venue à sa porte, elle a demandé de l'héberger ou un truc dans le genre, il a pas accepté, je crois, un truc dans le genre. Si je me souviens bien de l'histoire de la Belle et la Bête. Hein. Et du coup la femme elle lui a lancé un sort ou je sais pas quoi. Et du coup, ces sbires, enfin ces servants, ils ont été transformés en pendule, etc. Et lui a été transformé en bête, tout simplement. On va y aller, du coup. Bah allez, si je suis chaud, on fait un épisode d'une heure. Franchement, si je suis chaud, on fait un épisode d'une heure. Parce que là, franchement, je me sens de ouf. Ça, je pose ça là. This must be it. Un petit boss sans cœur. Bon. On est ready, je sais plus comment on l'affronte par contre. Oh, il m'a fait peur. Alors attends, on va taper là déjà. Ah ouais d'accord, ok. Déjà j'aurais dû garder la fusion je pense. Ah bah il m'a soigné, merci Donald. Enfin, je crois que c'est Donald qui m'a soigné. Alors toi mon pote. Oh putain, le petit enchaînement de dingo là. En plus, t'as par contre il te casse les couilles un peu lui.
35 XP, on va récupérer quand même les jauges de flux, ça peut être sympa pour la fusion. Il voulait pas faire un truc là? Je sais pas, il m'avait demandé d'appuyer sur triangle je crois, mais j'ai pas appuyé du coup. Voilà, level 11 Sora, tranquillement. On va directement l'attaquer. Oula 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 oula. Ultrason. Allez allez allez, on se le baise. Voilà. Il est où le dernier? Ah il est là. Ça c'est la forme normale de PD là. Ah il y a un truc là où j'avais pas vu. On va aller récupérer. Je peux sauter, je veux juste aller récupérer ça, voilà merci c'est bon. Maintenant on peut tranquillement sortir la forme de vaillance et niquer des mères, voilà. Au bout d'un moment on se le dit. Alors toi mon pote, toi t'aurais pas dû la tête de Wham. Toi t'aurais pas dû toi. Tac 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 tac. Oh t'as la forme de vaillance, elle viole tellement, mais c'est dingue. Arrêtez. Petite forme normale, il a perdu son épée en cours de route. Putain, elle est où la forme? Voilà, et là, le truc chelou là. Voilà, on a gagné frappe ascendante. Ça c'est pour un combo ça. Nique des mers mon pote, on nique des mers. C'est tout. Allez, porte du cachot, libérons les domestiques, on va tout. De toute façon, la porte, on l'a démontée, mon pote. Tu vois cette porte là? On l'a démontée. Il n'y a pas un coffre quelque part? Ah, il y a ça là-haut déjà, la petite pièce d'éveil. Putain, ta mère la pute, toi. Putain, ça saoule ici. Putain, mais cassez-vous. Laissez-moi passer. Voilà, alors on saute. On va prendre celle-là. Et on va rentrer dans la porte directement. Et normalement, petite cutscene enclenchée, voilà. Et ben si, ils sont là. Did someone say rescue? Shh, keep quiet. It might be them. Oh, they look like nice boys to me. We are nice. We're your friends. Yeah, Belle sent us to find you. Wow. I'm Sora. Donald. Goofy. I am self-winding, sir. I am not too I'm glad you're okay. Enfin, épisode d'union, on va se calmer quand même. Je sais pas, j'hésite. Parce que genre, dans le dernier épisode, il y a eu un petit décalage, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas spécialement envie qu'il y ait un décalage sur celui-là, donc si c'est un épisode d'union, enfin, genre, après je vais tester une nouvelle formule, c'est-à-dire capturer le son directement avec le gâteau, enfin le son de ma voix, mais ça, avec le son de ma voix, il y aura directement un décalage, un tout petit décalage, genre d'une demi-seconde, mais il y en aura un, c'est sûr et certain, mais au moins, enfin voilà, ce sera bien, on verra bien, de toute façon. Le maître lâche à ça à cause de son aspect misérable. Ouais voilà, en gros il l'a pas. Ouais voilà, il a pas été gentil avec. Ouais, en gros ouais, c'était une petite. C'est une histoire que j'aime bien en plus, La Belle et la Bête. Hein. Franchement, c'est un Disney que j'adore. Bonne idée.
Putain, mais... Sérieux, quoi. Bon, on va récupérer la carte encore, j'imagine. La carte des cachots, cette fois-ci. Ou du sous-sol, hein, au choix. Le petit coffre avec la mitrille. Ah non, bonus PC. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas un objet qui sert à rien, ça. Enfin, les cas de mitrille non plus. Mais pour l'instant, en tout cas, j'en ai pas besoin. Alors que les PC, par exemple, que j'utilise que pour moi, hein, parce que je suis un gros rat. Pierre de vitalité, c'était quoi? Pierre les grands... Ouais, c'est pour la fabrication d'objets. Ouais, en gros, c'est ça. Ah oui, on avait frappe ascendante. Attendez, on va sauvegarder sur la sauvegarde numéro 4. Hein. Voilà. Oui, du coup, on avait frappe ascendante. Et bah, du coup, ça va être sympa, parce que ça va nous mettre un combo en plus, je crois. Je vais où, là? Compétence, Sora, frappe ascendante. Projette l'ennemi en l'air durant un combo en appuyant sur carré. Ah, sympa! Ouais, yes! Donc un petit combo en plus. Alors t'enchaînes carré. Une fois un sans cœur là en fait. C'est là-haut qu'on doit aller? C'est là? Ouais, on doit aller là-haut. Laissez passer nos invités. Ça obéit, hein. Après vous, merci. Heureusement, la courtoisie des pendules chez nous... enfin, la courtoisie des pendules tout court, c'est sympa. Sympa, sympa. Ah, là, il va y avoir un mini-jeu, si je me souviens bien. Un mini-jeu un peu nul. La porte qui nous permettra de quitter cet endroit est verrouillée par un dispositif. Quel genre de dispositif? Vous allez voir. D'accord, fantastique. Trois lanternes de défense pour attendre ici. Je suis pas si sûr. Big Ben ne pourra pas rester indéfiniment suspendu à se lever. Mais pourquoi y a pas quelqu'un qui l'aide, par exemple Donald qui le tient, etc. Enfin, je comprends pas. Ça, c'est un peu con par contre, ça. D'accord. En gros, on doit faire vite, quoi. Voilà. Et j'imagine aussi qu'il faut tout niquer par terre pour laisser passer les putes là. On va faire celle-là. Et on va aller des Big Ben. Parce que je le sens pas ouf là. Ah ouais, d'accord, mais en fait il faut attendre qu'il défait. Ouais, d'accord, ok, en fait j'ai fait ça pour rien, j'aurais pu directement aller là-bas, taper les trucs. Ouais, tiens, on le requinque. Allez, on y va. On est reparti. Ça avance vite, une... C'est quoi, c'est une théière? On va récupérer juste ça en prime, histoire de... Voilà, on casse tout. Normalement, on pourrait passer. La théière, elle est où? Elle est là. Voilà, normalement, c'est la dernière, normalement. Ouais, c'est la dernière. Il n'y en avait que 3. Enfin, c'était pas si dur que ça, en fait. Je pensais que ça allait être plus... Enfin, pas dur, mais chiant, quoi. Mais ça va encore. La porte devrait s'ouvrir. Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Si tu l'as dit dingo, y'a rien qui s'ouvre là. Hein. Après on récupérera les coffres derrière, hein. Je les ai pas oubliés, vous inquiétez pas, je les ai vus. C'est juste qu'on avait pas tellement le temps avec ces PD. On a aussi une pièce de plus je crois qu'on l'a pas récupéré. Pas mal de trucs ici quand même. Hein.
Je vais faire une ronde pour constater l'ampleur des dégâts. Je vous laisse moi aussi. Méfiez-vous des stalkers. D'accord. D'accord, l'aile ouest du château. Du coup, on doit aller là-bas, je pense. Nous retrouvons là-bas. D'accord. Donc nous, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ça, là. Voilà. La game puzzle. On se prend ça, une petite potion plus. Ça fait jamais de mal. Et un éclat de mithrile. Pour pas changer, hein, j'ai envie de te dire. On pose ça là-bas. J'ai foncé. Oh, il y avait un coffre, là, carrément. Éclat Yalin. Je sais pas ce que c'est. Mais ça a l'air rare. Enfin rare. Oh, il m'a fait peur lui carrément. Je m'attendais pas à ce qu'il dégage en fait. Putain, ils ont beaucoup de vie ces PD. Hein. Ah ouais, le petit combo là, vous avez vu? Où tu projettes l'ennemi dans les airs, ça c'est sympa de ouf ça. J'avais oublié que je pouvais faire ça en fait. T'as encore un bonus PC. Je le mettrai après, hein. On va pas passer toute notre vie dans le menu start non plus. Du coup, on va niquer des abeilles là, plus simple. C'est des abeilles ça, putain. T'as des grosses abeilles là, mon pote. T'as vu là, on se dirige plus vers en fait. C'est ça qui est relou, et voilà, on va faire spawn des ennemis à la chaîne sans faire exprès. Tac, tac, et tac. Allez, ça dégage de partout, allez. De toute façon, ils sont 15 000 les trucs. J'aurais pu faire. Je suis un connard, j'aurais pu faire genre. La pirouette, mais j'ai oublié. C'est bon? Plus personne? On va pouvoir ramasser les munis par terre, le flux, ça, les coffres, on va tout prendre. Putain, je n'ai pas réussi à le choper ce truc. Pièce d'éveil cœur? Je crois que c'est la première fois qu'on en a un du cœur. On avait que des. Je sais plus ce qu'on avait en fait. En tout cas, les éclats de mithril, ça c'est sûr qu'on en a, hein. On chope que ça limite dans les coffres. Wow, il y en a beaucoup là. Éclat de vitalité, encore une fois. Enfin, non, tout à l'heure on a une pierre de vitalité, je crois. Ouais. Si je me souviens bien, c'est la pierre qu'on a eue tout à l'heure. She's scheming to take everything you have. This castle, your precious rose, and then your life. Trust no one. Feed your anger. Only anger will keep you strong. I've had enough of strength. There's only one thing I want. Une vidéo, un monde, ça risque d'être quand même chaud, hein. Who could ever love a beast? Au vu de combien ça dure, si y a un point de sauvegarde dans cette maison, enfin dans cette chambre, j'arrête l'épisode là. Simplement. She has accomplices. En tout cas, c'est sûr que dans l'épisode suivant, on finira ce monde. Ça, c'est sûr et certain. Qu'on va se taper contre la bête? Hey, Prince. Rogia, Master. Oh, on va se taper contre la bête, d'accord. Sympa. Visiblement, elle est contrôlée. Bon, écoute, moi, je suis pas ton pote, photo. Allez, ferme ta gueule. Le problème, là, c'est que... Ouais, c'est qu'il marche pas les combos dans les airs avec... Allez, on se charge. Ah, on a gagné. Nouvelle emplacement d'armure. Sympa. Cogsworth, what happened? Well, Master, you see, that is, how shall I say, actually, Well, you got everybody down there in that dungeon. I did what? You did. Who was that guy you were talking to? The one in black. Xaldin. Xaldin, un membre de l'organisation 13 du moins. He came from the darkness.
He used my anger to control me. He took all my sorrow, my sadness, my pain, and turned it all into rage. There was nothing I could do. I could no longer see the truth. We'll all be. That must be why you threw all of your friends down there into the dungeon. You wanted to make sure that you didn't hurt them, right? Was that it? Was it to protect them? Sure. We know you're good inside. He's right, Master. We've all seen how kind you can be. After all, Belle can see the goodness in your heart, but I'm afraid you've yet to... Belle... I've mistreated her. I've mistreated her and been so selfish. She didn't say anything about that. She'd never tell anyone of my cruelty. She's too good. You see, I'm afraid he judges himself far too harshly. Why don't you just go talk to her? But... No excuses. Come on, we'll go with you. Du coup, on a la bête avec nous, sympathique. D'accord, les commandes coopération. Il y a un point de sauvegarde, on va arrêter là. Du coup, ça fait quand même un petit épisode de 47 minutes. Écoutez, hein, c'est pas non plus négligeable. Éclat ardent. On récupère ce qu'il y a là. Voilà, puzzle éveil. Et on va sauvegarder directement. J'ai sauvegardé 18 000 fois dans cette vidéo, mais c'est pas grave. On aura bien monté de niveau quand même, on est passé du niveau 9 au niveau 11. C'est déjà ça. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, un peu plus long que d'habitude, un peu plus court que la dernière fois. Voilà. Hein. Je pense que faire des épisodes d'une heure, c'est pas trop un truc à faire pour moi, mais j'essaierai en tout cas pour des épisodes spéciaux, c'est-à-dire 10, etc. Mais j'essaierai d'en faire des 1 heure assez récemment, en tout cas. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un like, etc. si vous avez plu, etc. Enfin, voilà, vous connaissez le principe. Moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.